We're really grateful that UNESCO has been partnering with us in a set of activities and happy that they could convene this panel. I don't envy the chair in view of the time constraints. I'll be sitting strategically ahead of her so that I can remind her each time I notice she's overshooting the time. So Marema, please, welcome. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Goodwin. Et je voudrais réellement commencer par remercier d'abord les panélistes qui ont tous fait des efforts très importants pour être ici avec nous. Mais je voudrais d'abord commencer par remercier le CODESRIA pour l'excellente organisation de cette Assemblée générale. Je vois qu'il y a ici dans la salle beaucoup de personnes qui, comme moi, sont des abonnés des Assemblées générales du CODESRIA. Mais je peux vous dire très sincèrement que nous avons noté avec bonheur toutes les innovations qui ont été apportées à l'organisation de cette Assemblée. Merci au secrétariat exécutif, merci au comité d'organisation, merci au comité scientifique, mais merci surtout au comité exécutif, parce que je pense que rien qu'en décidant du thème global de cette Assemblée générale, l'Afrique dans la mondialisation, et en réussissant l'exploit de convoyer ici plus de 300 chercheurs pour en discuter, vous avez déjà posé un acte qui est structurant. Je voudrais rapidement vous dire que face à la crise de la mondialisation, je crois que toutes les parties du monde sont en quête d'alternatives, mais l'Afrique est particulièrement en quête d'alternatives pour trouver des voies idoines qui devraient lui permettre de retrouver sa souveraineté, de bâtir sa prospérité et de recouvrer enfin sa dignité qui a été multiples fois bafouée. Vous avez entendu le ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal ce matin et je pense que rien que sa communication et la communication du ministre de l'Algérie vous montrent que la quête de l'Afrique face à la mondialisation se traduit très souvent par des plans d'émergence. Nous avons des Maroc émergents, Sénégal émergent, Cameroun émergent. Et pour toutes ces personnes qui postulent une visée d'émergence, l'émergence, c'est d'abord la réforme structurelle de nos économies pour, comme il nous l'a dit ce matin, avoir une croissance forte et inclusive. Mais je pense que pour nous autres, l'émergence, c'est d'abord la transformation de la société et la transformation des mentalités. Parce que ce sont les hommes et les femmes qui sont censés être les artisans et les acteurs de cette transformation de l'économie, si transformation de l'économie il y a. Je crois donc que la fécondité d'une réponse africaine à la crise de la mondialisation dépendra largement de l'impératif de décoloniser les esprits, pour reprendre le mot de Tsungi Wachongo, de réformer structurellement les mentalités des femmes et des hommes qui sont censés être les véritables acteurs de l'économie politique. Je dis bien l'économie politique, parce que l'économie n'est plus politique, malheureusement, pour les Africains. Or, comme le suggère Carol Boyce-Davis, dans le vaste contexte du discours sur la décolonisation du savoir est un élément important de la justice réparatrice. Le panel que nous avons donc proposé, comme l'indique son intitulé, se fixe le défi de débattre de la décolonisation de la recherche.
Il invite à questionner les masculinités épistémiques pour bâtir des sciences humaines et sociales plus intégratives. Je pense que nous disons très souvent que les sciences sociales sont eurocentristes, mais nous le disons aussi très souvent, les sciences sociales sont viricentristes. Les sciences sociales sont doublement portées par une perspective occidentale, mais aussi par l'idéologie patriarcale. Donc, c'est la marginalité. Et je crois que quand on parle de la mondialisation, il est impératif de décoloniser la recherche. Parce qu'il me semble que la crise de la mondialisation, c'est d'abord une crise du sens et des significations qui lui sont prêtées. La crise de la mondialisation, c'est une crise qui est intrinsèquement liée à la marginalisation des humanités et des sciences sociales dans l'Afrique et dans le monde. J'en veux simplement pour preuve l'agenda 2063 et la STI que le ministre du Sénégal a évoqué ici ce matin. On ne parle plus des sciences sociales. Il faut faire l'innovation, il faut la technologie, il faut la technique. Et dans tout ce processus, on oublie que les humanités et les sciences sociales sont fondamentales, y compris pour la technique et la façon dont une communauté construit son rapport à l'innovation. Donc, dans le contexte contemporain, où le nationalisme suprématiste blanc a repris de l'importance aux États-Unis et en Europe, dans un contexte qui est aussi marqué, selon Shari Hanafi, par la guerre contre le terrorisme, le fondamentalisme du marché et le radicalisme religieux, de nombreuses valeurs démocratiques sont érodées et la première d'entre elles est la liberté d'expression. Le paradigme suprématiste dépasse de fait le territoire états-unien évoqué par Carol Boyce Davis. Car comme le rappelle Michel Burowai, cité par Shari Hanafi, Duterte, Erdogan, Orban, Poutine, Le Pen, Modi, Zuma, notre compatriote d'Afrique du Sud, et Trump semblent tous coupés dans un tissu nationaliste, xénophobe et autoritaire similaire. Je pense que Burowa ne savait pas si bien dire, parce que ce qui vient de se passer au Brésil confirme parfaitement sa thèse selon laquelle le triomphe de Trump a donné une nouvelle énergie au mouvement et aux dictatures néolibérales. Les universités et les intellectuels sont donc appelés à rester les véritables vigies de la société, les vecteurs de la compréhension la plus avancée du monde, mais aussi les acteurs d'une riposte vigoureuse contre l'exclusion, contre les inégalités et contre la précarité générée par les pseudo-démocraties libérales. Zé Belinga a raison de souligner que si le récit triomphateur et occidentalocentrique de la naturalité et de l'inévitabilité des politiques dites libérales paraît jouir d'une crédibilité performative infructueusement contestée, c'est aussi en raison d'une mobilisation insuffisante de l'histoire des capitalismes, des libéralismes dans le monde et singulièrement en Afrique. Ce panel, donc, nous invite à endosser nos gilets jaunes. Je pense réellement que nous devons endosser nos gilets jaunes pour noircir les pages blanches des oubliés de l'histoire et rester les porte-voix des sans-domicile fixes de la pensée dominante pour enfin gagner le combat de la transformation de l'ordre épistémologique international qui est vigoureusement réclamé par Ibrahima Sall. Mais les modalités de la lutte pour les sciences sociales plus inclusives et plus intégratives préconisées par les panélistes sont relativement variées. Si certains panélistes évoquent le post-colonialisme qui a commencé à porter ses fruits, quelqu'un comme Shari Hanafi nous engage à dépasser les cristallisations binaires et la critique radicale exclusive des perspectives occidentales pour compléter les études post-coloniales par des études post-autoritaires. Shari nous parlera lui-même de la portée potentielle du post-autoritarisme pour décoloniser les humanités et les sciences sociales, notamment la sociologie, mais nous pouvons d'ores et déjà retenir avec lui
qu'il s'agit d'un ensemble de perspectives, de concepts et de pratiques à développer pour résister à l'autoritarisme, d'un projet politique visant à reconstruire et à réorienter les connaissances, l'éthique et les structures du pouvoir local. Je pense que ce qui est constant dans la totalité des communications que j'ai lues, c'est que personne parmi les panélistes ne perd pas de vue le fait que les pouvoirs autoritaires synchroniques ici et maintenant contribuent aussi fondamentalement à façonner l'orientation des sciences sociales. Ce n'est pas seulement l'Occident. Mais que signifie donc décoloniser? C'est demandé Stéphane Dufoy. Et Stéphane était un des panélistes qui a envoyé sa communication intitulée « Décoloniser l'histoire des sciences sociales ». Mais à la dernière minute, il a été alité et en ce moment à l'hôpital. Je pense que nous prions pour lui. Et Stéphane nous demande que signifie décoloniser. Et il nous entraîne dans une intéressante analogie avec le domaine politique, avant de nous inviter à garder à l'esprit la métaphore, non seulement pour ce qu'elle dit de l'existence de rapports de pouvoir dans le monde des sciences, mais il souligne que la revendication de décolonisation implique au moins deux conditions. La reconnaissance d'une domination que l'on est capable de nommer et l'identification de moyens par lesquels il serait possible de faire cesser cette domination considérée comme illégitime. Nous retiendrons à la question de Stéphane avec ces lois Lust-Boulbina, ces lois qui, en véritable grande philosophe, manie les mots et les concepts, nous dit que la décolonisation des savoirs dont il est question ici ne peut être envisagée comme une lutte contre un adversaire, ni du côté post-colonial, ni du côté post-impérial. En revanche, elle est une résistance à l'hégémonie, voire son dépassement sur tous les plans, notamment les plans culturels et intellectuels. Je voudrais m'arrêter là pour passer la parole maintenant aux panélistes qui seront mieux à mesure de porter la véritable parole authentique que j'ai essayé de résumer. Merci de votre attention. Je voudrais commencer par Ibrahima Sall. Ibrahima est actuellement le directeur exécutif de Trust Africa. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous présenter Ibrahima Sall. Je dirais simplement qu'il est le secrétaire exécutif sortant du CODESRIA. Quand j'ai tenté tout à l'heure de compter avec lui combien d'années il a servi notre communauté, pendant plusieurs mandats en tant que responsable de programme et deux mandats comme secrétaire exécutif, qui a à son actif l'organisation de plusieurs assemblées générales, nous avons simplement conclu que c'est toute sa vie académique qui a été liée au CODESRIA. Sa présentation est titrée « Au-delà de la décolonialité, les sciences sociales en Afrique et le défi de l'autonomie épistémologique, Beyond Decoloniality, The Social Science in Africa and the Challenge of Epistemological Autonomy ». Ibou, tu as la parole pour 8 minutes à 10 minutes pour nous parler des enjeux épistémologiques et de la décolonisation et la façon dont elle a été envisagée, notamment au CODESRIA. Merci. Merci, Maréma. Good afternoon, colleagues. I have 7 points that I want to make, and I'll try to make them 7 points and conclude, and trying to make them in the 8 minutes that have been allocated to me. I think the first thing that I want to say is that, as we obviously we all know here, the social sciences and humanities in Africa as elsewhere and elsewhere are sites of struggles, right? They are sites of struggles. They have been engaged in epistemological struggles, which in truth are about, you know, struggles over the dominant orders, the dominant epistemological order and the dominant social orders. And basically you have the sciences that are aiming at
you know, working towards reproduction or participating, in fact, in the reproduction of the dominant orders. And then there are sciences that are more sort of subversive. They are participating in the transformation or aiming at participating in the transformation of the orders. So this is a fact and when we talk about coloniality, I think implicit in much of the discussion about coloniality or decoloniality is actually the need for the dominant orders to be transformed. And the critique of coloniality and its contemporary forms has been going on for a long time. And I think beyond coloniality, there are, however, a lot of other forms of domination and violence that have been evolving and taking increasingly complex forms. Right. I think in our own context on the in the African continent, the issues of autonomy have been very central in what we've been doing, in part because of the history of the relationship of the social sciences, the way they came into the continent, which itself is linked to the history of the way the continent has been sort of engaged in global relations. Issue of autonomy, epistemic and otherwise, has been very central. People spend a long time contesting the narratives about Africa, the way Africa is portrayed, is discussed in the literature, policies about Africa. We've had a number of things in the previous panel also dealing with them already today. So the critique of the concepts and the epistemologies being used has been very, very important for those very reasons. And I think the colonial scholars have called epistemic disobedience made sense in our context. People thought, look, we've suffered enough from what is going on. We need to contest this. The point, though, to make is that that has been it has occupied us for a long time. And the other part of it, imagining something different, has been a bit more complex and more difficult as an issue. Point was made recently Francis Nyamjo came with this story on roads must fall and asked this question from the beginning of the book. Okay, roads must fall. Now we've been saying enough, but what is it that must rise? What can we imagine in response to that? And I think for the social sciences more specifically. Charles Binam Bikoye, who Professor Foye here and I have been discussing with and Jay Bellinger and Marema in Bamako in June 2016, asked this question of what do we want the social sciences in Africa to be like? I mean, after spending time criticizing what is going on or being critical of what is going on of the colonial library and all the rest, what is it that we want in positive? How do we want the social sciences to be like? And I'm arguing that part of the history, I mean, part of the answer to that question is in the history of Kodesria, among other places. And the reason why the history has been important, both for the continent and for Kodesria in particular, is that I think, as I said, the positioning of the continent in global relations has been very problematic, and the social sciences have been impacted upon by that history, but also by their own history as social sciences and humanities. Now. Samir Amin of blessed memory has been reminding us, as if he, you know, he saw this as something urgent to do. He kept saying and reminding us what the original idea of Kodesria was from the beginning. And in 2016, February 1st, 2016, you celebrate the creation of Kodesria. Then he just decided to write and came up with a note in which he's arguing that look. The idea of having Kodesria from the beginning was to create a platform for independent and audacious African thinking on contemporary issues. So it was much more than what the colonial scholars are calling epistemic disobedience. It was beyond disobedience. It was about being part of, you know, an enterprise that is global. It's African scholars seeing themselves as part of a community and capable of discussing issues that are not only confined to the African continent, and I think that point has been very, very important. It has been translated in practice in many different ways in the practices of the continent. The
the context is important to remember, the context in which Cotesria was created and what has been evolving over all this time, is that you have unfinished decolonization going on, political decolonization, 1973, you still had Namibia and what became Zimbabwe, later on Rhodesia, but Zimbabwe, Southern Rhodesia to liberate. And then you had, I need to speed up, I'm told. So the context is a complex, you know, situation in which you had political issues, you had economic issues, obviously global issues at every level that African scholars also need to had to engage with that independence and boldness that Professor Amin reminded us that we needed to make our own, you know, and then what happened with social sciences in particular is that we've been even that critique of the colonial library and of the dominant epistemological order has been framed in many instances pretty much using the language of the scientists we are criticizing, right? We hadn't been completely free, not often very 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 free of the same kind of conceptual apparatus that we've been trying to use the same tools to be critical of it, for a whole host of reasons that have to do with the way the academy is institutionalized, the way we, you know, everything we work with the journals and you know the community we're interacting with, you know, is structured and works so that it's difficult to free oneself from that, to be able to engage in a you know with new tools, but coloniality for the sake of it, I think it's a complex relationship that touches on so many issues related to gender, to pedagogies, to languages, to spirituality, aesthetics, and so on. And in the beginning of 2014, one of the major initiatives that we had in Dakar was on something called African Core, how to look at the world from Africa and what knowledge is generated from Africa could be produced along those lines that would be in a way taking a distance and taking this debate about colonial libraries to new levels. What happened with the introduction of social sciences in the way they came was obviously the fragmentation of the community even further. The intention at the beginning of Cotesria was to transcend all the boundaries, but for a long time we remained within the confines of what was related to the kind of social sciences that came to us through the encounter with the West, but there was a whole section, the non-Europhone intellectual analogies that was left outside of that particular realm. And I think that fragmentation is still there. And if we need to think about in a new situation in which we have to be able to engage beyond coloniality, I think the remembering of the communities, the remembering of bodies, remembering of everything we have, of cultures and of spaces needs to happen. In other words, there has been a very forceful critic made of the colonial literature itself, saying that it doesn't go far enough because it still continues to consider whether you're talking about religions or African knowledges as objects of research and sources of data, and not more than that. The final point I want to make, I don't have any time anymore, is that at the end of the day, what is it that we are seeking to create? You know, putting it very simply, freedom or liberation or independence or autonomy that we're seeking for is in a context of what, in some instances, we talk about development, we talk about transformation. Samir Amin, again, to go back to him, put it in very nicely in saying that even development could be simply conceptualized as a new civilization in which you take into account all that we know, all that post-structural criticisms and feminist criticisms and criticism from the South, has made us understand about what global order and its problems and its unsustainability. And therefore, what we want is to create a world in which it will be a new civilization, which will be liberatory, accommodative of differences, and in which issues of gender and class and would be framed in completely different ways. I think that's what it seems that I have time for. To say in this short introduction to a discussion.
At the end of the day, I think what it means, therefore, also is that if there is an issue with the social sciences generally, and in our own work at Cotestria, it has been also dealt with in so many different ways, including even in the way you, the forums for debate, the Africa Review of Books was created to make sure that, look, there is an issue with the way people come to determining what is good social science or not, or what is a good book or not. African Citation Index, how do we measure the production and so on and so forth. So that all those things are related, and at the end of the day, I think the new civilization will be what was referred to as maybe Africa, what the Agenda 2063 would lead us to. I'm sorry, Madam Chair, but that's it. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup, Ibrahima. Je vais me passer de commentaires et passer directement la parole à Chari Anafi. Je voudrais que vous prêtiez attention à l'intervention de Chari Anafi. Chari est professeur de sociologie à l'American University de Beyrouth. Il est aussi le président actuel de l'Association internationale de sociologie. Chari est un universitaire très prolixe et va présenter une communication intitulée « Postcolonialisme, Afterlife in the Arab World, Toward a Post-Authoritarian Approach ». Professeur Anafi, tu as 10 minutes. Yeah, I was elected a few months ago as the president of ISA, International Sociological Association, and it was my first item is how to foster the connectivity between the global south, especially I highlight Africa, because it's shameful that we don't have so much scholars in from Africa active in ISA. And it's not their mistake, it's our mistake as ISA, and the remaining of the community. So I'm so glad to be here in this regard. So I will go very simply a telegraphic way to talk about a crisis of post-colonialism. Just to take the case of the Arab scholarly debate, if you like. So tendency to blame Arab intellectuals for the failure of accompany the Arab uprising and guide their public and their social movement. I mean, we heard a lot of blaming, but I think their problem is come from a specific school of thought, specific left, but not necessarily left, you can have it among others, that I will qualify them as excessively become anti-imperialist and conspiratious and anti-Western. And I suggest this post-colonial approach should be complemented by post-authoritarian approach. So quickly, I mean, I work on two corpus, on academic article in Arabic, French, and English about the Arab uprising, and also what is written in newspapers. If you like, I analyze with my team the reference used, and we find extremely interesting that in fact. It's confirmed that the hegemonic center of knowledge in the United States, the Ivory Tower, is really influencing. For instance, the most cited person in this 520 articles is Samuel Huntington and other Eva Billin, Lynch Mark, etc. But you find also, I mean, postcolonialism doesn't tell us the whole story. I will find. If you look to this red names, they are not from the center, and either in a French, I consider I am myself
French. I consider it from semi-peripheral side, or Arab diasporic and something like that. So so I did, I put it just to woke you up after a heavy lunch. So this is a network analysis we did to see how to understand who influenced whom in citation. So each circle of this tells a story. And again, this is just to say that, in fact, the way we keep conveying the question of the Western hegemony as a way, as a solo factors determining knowledge production doesn't tell, I think, much of the story. So so let me go quickly going through not only this scholarly work, but a newspaper. So I found that, in fact, there is an analysis of the Arab uprisings, taking into account mainly external factors, talking about imperialism, specifically America and Israel, and sometimes Europe, but it's definitely overlooked the local power dynamic. Democracy doesn't occupy the top list of their agenda, and sometimes is really absent, completely absent. They are interested in resisting imperialism more than resisting the authoritarian regime inside of their own countries and around. I think David Scott, when he said the end of Bandung project and the transformation of the anti-colonial utopias into post-colonial nightmares, is reflect quite good the situation in the Arab world, but I think beyond the Arab world, including in Europe. So so it's become like the Arab uprising, simply analyzing geopolitical game. And I think there is a lot of conspiratorial thinking. How you don't want to blame yourself for things you may lack, so you blame anonymous force instead. I think this is how I define conspiratorial thinking. Conspiracy theories are for losers, literally, not pejoratively. People who have lost an election, money, or influence look for something to explain that loss. So there is a praise of progressive Arab dictators. Though the word progressive, regressive, it become like replacing our reflection in democracy. Okay. So also, I think there is, analyzing this discourse, again, I am very telegraphic, it's a very anti-West. What do I mean anti-West? They create a binaries, okay? Us, them, reason, soul, all this religion, secularism, all these binaries, I think, and to position, to say we will reject all what is related to West, I think it's impoverished. A lot of the scholarship produced is very interesting. It's not only this Arab left, they have such a discourse, but the Islamists, they share exactly the same dichotomous way of thinking. So I agree with Abdullah Al-Arawi, who said the refusal of Western culture doesn't in itself constitute a culture, and the delirious roaming around the lost self shall never stir it up from dust. Myself, I am editor of Arab Journal of Sociology. I receive a lot of scholarship, of manuscript that they cite excessively and in a decorative way often, Ibn Khaldun, Malik ibn Nabi, just to cite only two from Africa. They cite, so I think it become like they it's a identity politics project much more than something it's very important. So of course I think the whole
taking local sources seriously is something extremely important, but not as a nationalistic project, but simply because it's useful for us, theoretically and empirically. So this is why I said we need to supplement the post-colonialist by post-authoritarian approach. And why I use post? We are not in the Arab world in post. We are still in authoritarian. But just to tease my colleagues who use post-colonialism, and because there is a kinship with post-colonialism means that it could, by association, draw on a number of assumptions underlying the former category, especially in terms of power structure, but not in the meaning of coming to term with authoritarianism, and now we are in the post. So we need a double critique to critique ourselves. I don't have time. I have eight reasons why post-authoritarianism is something we should take it very seriously. But just I will finish by saying that, in fact, I think we focus too much on the question of epistemology, and we overlook the question of knowledge production. Of working condition, and the dictators, the corruption in our countries. Responsible of this deterioration of working condition of the intellectual. Why I cannot cite a scholar in Algeria? Because there is no, so far, a database like JSTOR in Arabic where we can communicate between us. So why I will quote somebody from France and not from Algeria for that? So I think we should really seriously think about the working condition and how to improve it. And just to praise Codestria that they create a database for African scholarship, and we have evidence that now we have more co-citation within Africa thanks to this database. So this is something to struggle against the hegemony. Thank you so much. Merci, Shari. Merci beaucoup. Chari Anafi, je présume que cette communication suscitera des débats dans la salle. Je ne vais pas me mettre à la commenter. Je vais rapidement passer à Carole Boyce-Davis. Carole est professeure d'anglais et d'études Africana Studies et d'études Africana au Centre d'Africana Studies de Cornell University. Carole a publié plus d'une centaine d'essais dans des journaux, des articles et beaucoup d'ouvrages d'encyclopédies. Elle a également publié plus de 12 éditions critiques sur la littérature et la culture africaine de la diaspora. Elle est également l'auteur de La gauche primée de Karl Marx, La vie politique du communiste noir, Claudio John, et le roman classique, Les femmes noires, écriture et identité, Migration du sujet, et j'en passe. Carole, tu as 8 minutes pour indiquer les voies pour décoloniser les discours, les humanités et les études littéraires africaines, et n'oublie surtout pas de nous parler du postcolonialisme tel que tu le fais. Good. Can you hear me now? All right. It's a real pleasure being here at Codestria. I've heard so much about Codestria and followed the literature and the various meetings, and I have friends who've done this all the time. My colleague Andri, for example, is always going to Codestria meetings. Anyway, what is listed for my paper is different from what I'm presenting, simply because when we talked initially, I think what was presented was more descriptive. I'm going to talk about decolonizing discourses, the humanities, and African literary studies. And initially, of course, I have a paper, but I have had to reduce it to the very bare, so bear with me. But it's available
in the archives, so you should be able to get a copy of it. So I'm reducing this to 10 points. Within the context, of course, of this conference's theme, Africa and the Crisis of Globalization, first of all, in my formulation, African literatures and cultures are broadly defined to include both continental and diasporic emanations. These, for me, provide one of the most important avenues for the decolonizing of knowledge. I assert as well that within the larger context of decolonizing discourses, the decolonizing of knowledge is an important reparative justice. Reparative justice, I repeat deliberately, as a discourse coming out of the Caribbean particularly, a reparative justice element. Both advance us towards a fuller understanding of the humanities in this contemporary period when white supremacist nationalism has regained prominence in the United States and Europe and Brazil. In such a context, African universities and intellectuals must remain, in my view, sites and people where more advanced understandings of the world continues. I begin with an early essay by Caribbean scholar Sylvia Winter, which is relevant to this discussion. It's titled, "The Ceremony Must Be Found After Humanism." It argues that even as the humanities function as a breakthrough in the production of knowledge outside of the authority of theocracy, it also reinstituted a new order of man in which, with the rise of modernity, another category of people were created whose epistemologies were not worth considering. That's my first point. The second point I want to make is that I want to recenter the classic project of Ngugi wa Thiong'o, Taban Lo Leong, and others, which is a staple in African literary studies, titled, of course, On the Abolition of the English Department. Of course, 50 years later, we are looking back at what has happened in the interim. And actually, I have a couple of grad students looking at all the African universities to see if they're still using departments of English, because we know that departments of English are constructed very specifically to advance English literature and language politics and to diminish the knowledge of fields, the rest of the world, actually, if you want to work of it like that. So European African universities, we know, and the Caribbean as well, were organized initially as departments of European universities overseas, began as colonial projects to create a colonial elite. As such, their studies replicated the identical structures of these European universities, including their curricula, the library, literature, faculty, and so on. And of course, this is where Ngugi and the abolition paper came forward. Considered a classic statement then of the decolonization of the academy, and this then successful venture, actually I was timing myself and I forgot to put it on. So I still have 8 minutes, I hope. Consider the classic statement of the decolonization of the academy. This then successful venture had an impact on the thinking of a range of other institutions, including in the University of the West Indies, which created instead departments of literatures. I hasten to say, though, and you can correct me if I'm wrong, but I looked at it, University of Ghana, Legon, University of Ibadan, where I graduated from with a PhD in African literature, still have departments of English. Third, much is left to be done. We know that the maintenance of a traditional curriculum ends up reproducing the larger structures and context of white supremacy. Make no mistake, the classic racist theories which have shaped the way the traditional academy functioned, they remain in place. While the work of African scholars who have done a significant amount of work on the nature and theory of race remain largely unread and unaccounted for. The academy and the various canons have been the sites of the maintenance and deployment of specific social values, at the level of ideology, the various, the various interactions connect the academy with the policy makers and popular struggles of diversity and the becoming whitewashed multiculturalism. Three, so that was three. Four, I argued in decolonizing the academy, African diaspora studies, that the academy, of course, meaning the universities and the larger knowledge production apparatus, is perhaps one of the most colonized of spaces. The intellectual community then become complicit to the extent that recent scholarship around race, gender, sexuality remain outside of the frames of knowledge acquisition and transmission in every single discipline. And I want to point out today, for example, one of my questions which I did not raise in this morning's keynote was that the question of gender totally disappeared, sexism disappeared, patriarchy disappeared from all of the discussions of religions, which we know are fundamental to maintaining a particular order. I was talking to
young women here who say they cannot go to the mosque, that the mosques do not allow women to participate. So this, I'm suggesting then, this logic of working with the exclusion of certain forms of knowledge, particularly coming out from women scholars, gender therefore, creates a hierarchy in which African people's contributions to human advancement still remain at the bottom, if present, sometimes often totally erased. My fifth point then is not much has changed or will in the near future if we continue in the post-colonial trajectory, which my colleague just mentioned. This is the space then of the decolonizing of the humanities and the critique of epistemic privilege. And by epistemic privilege, my colleague Satya Mohanty uses this phrase really well to talk about the ways in which certain epistemes become the dominant ones. The same point that Winter made with which I started. For if one studies the natures of departments of English, they are doing what they were organized to do. So the ongoing argument from Winter, number six, is that the Western bourgeois conception of man undergirds the humanities and represents itself as though it were the standard of what the human is, against which all must be measured and others subordinated. This Western bourgeois conception of the human is foundational to the Western model of the university and is actually then the site of our struggle. I hasten to add that this model was also exported via colonialism to the Americas, Africa, Asia, and the Caribbean, thereby remain intact as a worldwide structural arrangement, arranged which we either acquiesce or continue to contest. I'm turning rapidly to my next point. So the decolonization and decoloniality debate. Two elements I wonder engage. One of them comes from an essay that was published quite early by Abiodun and Jay Foo called Arrested Decolonization. In that essay, he makes two points. One, that the decolonization of the continent itself and by extension the Caribbean and other formalized areas had been arrested or halted. And two, therein remained a range of continuing colonizations in a range of fields, in this case literature. But eight, if we extend the lens to include women in the production of knowledge, which encompasses a range of disciplines, as I argue elsewhere, we know that women consistently contribute without being acknowledged. And the example I want to use is that of Henrietta Lacks, which I hope you knew about, in which the cells of a black woman from Virginia was used to actually develop the whole biomedical industry, the HeLa cells, the so-called HeLa cells. So there is no gap then between what's happens in terms of thinking about literary analysis and what happens in sciences if this example is used as a base for thinking about it. And that's a critical point. I have 2 minutes to conclude. Okay. Tenth then, women in leadership. According to the world's women, and that's a point that I consistently come back to in decolonizing discourses, the way in which women remain then outside of the frame of coloniality and decolonization discourses means often that we avoid the fact that there's a continued absence of women in leadership. We see a rise, of course, recently, and the recent US elections is a good example, but today the statistics for women in political leadership remains around 19.3%. And it's an interesting point to make, and the logic in the world's women in the UN document is that without women being in leadership in other organizations, political, social, community, and so on, you're not going to have that movement towards more full leadership. And of course, along with that, you have the avoidance of women who actually were in leadership. And the best example I give is the Garvey movement, the UNIA, in which the wife of Marcus Garvey, Amy Ashwood Garvey, was actually a co-founder of the movement, but is constantly erased from that. And his second wife, Amy Jakes Garvey, actually wrote the opinions of Marcus Garvey. We can also use the Winnie Mandela example, but you already know that one, so I won't go into that. And I will finish by saying then, in conclusion, coloniality and decoloniality then refer not so much to the formal systems of colonialism, but the first to the continuing patterns of the logic, metaphysics, ontology, and a matrix of power that continue existing after formal independence and desegregation. And this is coming from Quijano, Anibal Quijano, the Peruvian scholar. Decoloniality then refers to efforts at rehumanizing the world, to breaking down hierarchies of difference that dehumanize subjects and communities, and that destroy nature
and to the production of counter discourses, counter knowledge, counter creative acts, and counter practices that seek to dismantle coloniality and open up multiple other forms of being in the world. And this is coming from Maldonado Torres's 10 Theses, which I'm sure I know is very popular in South Africa, so you would have read that. Finally, then, my argument is that we have to move towards a decolonial university in which then we have a whole transformation of the paradigms with which we have received and a new construction of academic communities. I've listed about 12 options in my paper, and these are available. If you look at the paper, you will see these options. Thank you for listening. Merci, Carole. Merci d'avoir fait exactement 10 minutes et 30 secondes. Distinguished professeur Carole. Nous allons maintenant passer à Zebelinga. Je crois que Marshall Zebelinga a une activité intellectuelle tellement importante, mais tellement diversifiée, que beaucoup d'entre nous l'ont déjà rencontrée, soit sur le terrain de la recherche, soit sur le terrain de l'engagement militant pour l'Afrique. J'en voudrais simplement pour preuve son dernier engagement contre la zone franc et le livre qu'il a commis avec des collègues qui en ont fait des frais. Zé est sociologue, il est économiste, mais Zé est aussi historien à ses heures perdues, et c'est ce qui lui vaut le statut de chercheur indépendant associé à l'histoire générale de l'Afrique. Zebelinga se propose de nous entretenir des voies idoines pour décoloniser l'histoire, libérer l'avenir, parce que pour lui, c'est aussi un défi épistémologique. 8 minutes, Zé. Merci, Marema, de m'avoir fait une si belle présentation pour me dire que je suis celui qui devra parler le moins longtemps. Alors, je vous remercie de me donner la parole et je salue toute l'auguste assemblée, tous les participants. C'est pour moi une grande fierté et un grand honneur de parler au CODESRIA, qui, de mon point de vue, et dans un rapport que j'ai commis d'ailleurs pour l'UNESCO, est probablement une ce qu'on appelle une best practice en matière précisément décoloniale. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'on a affaire à un centre de recherche qui, dans les thématiques qu'il a développées depuis très longtemps et à un moment où on en avait vraiment besoin, a toujours mis l'accent sur qu'est-ce que les Africains disent, qu'est-ce que les Africains pensent, est-ce qu'on peut africaniser la recherche, etc. Et je pense que c'est une initiative absolument indispensable. Donc, c'est pour moi une grande fierté. Je commencerai peut-être de ce point de vue par rappeler ce que disait Mkanda Wiré, que vous connaissez tous. Et il disait qu'il y a 3 générations de chercheurs, d'intellectuels universitaires africains. Et les 3 générations, il les définissait par le lieu de la formation, le lieu d'exercice, est-ce qu'ils exerçaient en Afrique ou pas, l'engagement par rapport au développement ou alors la circulation internationale. Et je vous propose une 4e génération. Je pense que la 4e génération de chercheurs et d'intellectuels africains sera épistémologique ou ne sera pas. C'est-à-dire que si elle ne dépasse pas le butoir de la colonialité et des colonialités, elle tournera en rond et on retrouvera les mêmes questions qu'on se posait il y a 50 ans, on les retrouvera encore aujourd'hui et on les retrouvera dans 50 ans, comme c'est exactement le cas, point par point, pour l'économie de développement, où on posait les mêmes questions dans les années 50, la diversification, etc., et on les pose encore aujourd'hui. Frantz Fanon disait de ce point de vue que la décolonisation consiste, selon lui, à créer un nouvel être humain, un nouvel homme. Et on peut dire en ce sens que la décolonisation des humanités et la décolonisation de l'histoire consiste aussi, de façon parallèle et analogique, à créer de nouvelles connaissances, à créer en quelque sorte des nouvelles sciences humaines et en quelque sorte une nouvelle histoire. Quant à Césaire, dans son poème où il parle de « hors des jours étrangers », où il incite les Africains, les Noirs, à se mettre hors des jours étrangers, on peut penser aussi qu'il est important que notre histoire s'écrive et se dise hors des jours étrangers. C'est-à-dire qu'en définitive, l'histoire reprenne toute sa force dans la faculté qu'elle peut produire, dans les facultés qu'elle peut produire, qui, de mon point de vue, sont fondamentalement donner les armes miraculeuses du futur aux contemporains.
Dans le contexte qui nous est donné aujourd'hui, à savoir discuter de l'Afrique dans la globalisation, il est assez clair que si on reprenait simplement l'histoire de la globalisation en Afrique, les promesses qu'on croit pouvoir dériver des grands discours sur la globalisation s'éteindraient d'elles-mêmes, puisque la globalisation, en tout cas du point de vue africain, est la contemporaine. La globalisation contemporaine n'a aucune probabilité dans l'état actuel des choses de produire les promesses de globalisation heureuse qu'on veut bien expliquer. Il y a un chercheur coréen, un économiste coréen, qui s'appelle Ajun Chang, qui a écrit un ouvrage intitulé « Kicking away the ladder », c'est-à-dire quand j'ai utilisé une échelle, je pousse l'échelle, je jette l'échelle pour que les poursuivants n'utilisent pas la même échelle. Et qu'est-ce qu'il dit dans cet ouvrage ? Il dit que tout le récit de la globalisation occidentale a été un récit qui a été réécrit pour justifier les pratiques libérales, mais quand on regarde concrètement ce que les pays libéraux et occidentaux ont fait pour arriver au développement, historiquement, eh bien on voit qu'ils ont appliqué tous des politiques protectionnistes, à commencer par les États-Unis, qui sont en réalité intellectuellement les précurseurs du protectionnisme, avec Alexander Hamilton, qui a devancé les protectionnistes allemands Friedrich Nietzsche. Revenons donc à l'histoire. Pardon, pas Friedrich Nietzsche, excusez-moi, monsieur le philosophe. Revenons donc à l'histoire. Lorsqu'on parle de décolonisation de l'histoire, qui est un terme qui se répand de plus en plus, c'est un terme, en fait, qui a été utilisé comme tel par un professionnel de l'histoire, qui est un Algérien, qui s'appelle Mohamed Sali, qui a écrit en 1965 un ouvrage extrêmement intéressant, qui s'intitule « Décoloniser l'histoire », et dans ouvrage dans lequel il se propose de donner les conventions de l'écriture coloniale de l'histoire, où il dit, voilà, c'est une histoire qui, en général, est avec de l'immobilisme, histoire téléologique, histoire essentialiste, etc. Il donne vraiment les clés de compréhension de ce qu'il appelle, lui, la colonialité de l'histoire. Et ce terme va se répandre. Pourtant, avant 1965, il y a déjà, si on revient au XIXe siècle, des gens comme Blyden qui parle déjà de décoloniser l'image du noir. Donc au XIXe siècle, on voit déjà des noirs, des Africains ou des Afro-descendants qui parlent de décoloniser l'image du noir. On n'est pas du tout à la période actuelle. Mais on peut retourner encore plus en avant, plus en arrière, et je parlerai en ce sens d'une archéologie de la décolonisation de l'histoire, puisque si on analyse la révolte, qui est pourtant très connue à la fin du XVIIe siècle, de la prophétesse Congo Kimpavita, qui est une prophétesse initiée Congo, on l'appelait Nganga, eh bien, c'est une femme qui, à un moment donné, adopte le christianisme, mais qui va aller à l'encontre du christianisme chrétien tel qu'il est enseigné, et qui dit, dans le christianisme, le vrai christianisme, les saints sont des noirs, ce sont des Congos, et elle dit, il y a des rituels traditionnels qu'on doit continuer de faire. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Ça veut dire que, en fait, elle veut changer le corps de la théologie chrétienne en Afrique, dès déjà la fin du XVIIe siècle. Donc cette idée de décolonisation de l'histoire et des humanités et des savoirs, elle naît en même temps que les Européens imposent leur savoir en Afrique. Elle naît de l'interaction entre les Africains qui sont en contact avec les Européens, à partir du moment où les Africains sont en contact avec les Européens, en particulier dans les domaines des savoirs, savoir religieux, savoir politique, etc. Il y a donc une véritable antéhistoire ou archéologie de cette idée de décolonisation de l'histoire. Et en quoi tient-elle ? En quelques points. Ce qu'on constate donc depuis cette époque-là, puisque Kimpavita, en réalité, va inaugurer une tradition qui sera plus tard ce qu'on va appeler la théologie de la libération, avec plusieurs messianismes dans la région du Congo, mais plus tard encore, jusqu'au début du milieu du XXe siècle, il va y avoir un vrai développement de la théologie de la libération en Afrique, qui sera des négro-africains, qui vont d'ailleurs aller jusqu'à Rome pour défendre l'idée de l'enculturation de la religion chrétienne. C'est très ancien et c'est déjà une façon de décoloniser les savoirs européens en Afrique. Alors, de quoi s'agit-il dès le départ dans cette question de décolonisation des savoirs ? Ce que je pourrais appeler, dans un premier temps, ce que je vais appeler une épistémologie réfutationniste. On va retrouver là-dedans des gens comme Anténor Firmin, extrêmement brillant haïtien, qui va répondre un peu aux thèses de Gobineau avec son ouvrage intitulé « De l'égalité des races ». Eh bien, ce sont en fait tout un ensemble d'auteurs dans lesquels vous allez retrouver les Africanus Horton, les Delany, etc., qui vont répondre point par point aux théories de l'inégalité des races.
compliqué. Donc, la décolonisation de l'histoire, ça va d'abord être un ensemble de textes qui réfutent l'idée de l'infériorité des Noirs, l'infériorité des sociétés africaines. Le deuxième aspect de la décolonisation de l'histoire, ça va être évidemment de mettre des contenus que j'appellerais mélioratifs. Aux péjorations qu'il va y avoir, dans un sens, les Africains vont apporter des contenus plus mélioratifs. Mais également, faire un débat en scientificité. C'est ce que les chers Antadiop vont faire avec l'importance de la preuve. On va prouver que vous n'avez pas raison, etc., etc. Et donc, il y a tout un débat sur décoloniser l'histoire qui va se faire dans le sens de la réfutation, mais également dans le sens de la scientificité, dans le sens de la méthode qu'on va voir avec la première génération de l'histoire générale de l'Afrique. Mais il reste effectivement une chose qui est absolument importante. C'est qu'on ne peut pas modifier une connaissance, modifier des savoirs, sans s'attaquer aux catégories de pensée, c'est-à-dire à l'art même de penser. Si on n'attaque pas l'art de penser, on reproduit la colonialité d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que le plus important, ça va être de transformer les perspectives de pensée, de transformer les catégories de pensée, les subvertir, de transformer les concepts qui sont utilisés pour penser. Je prends un exemple simple. Pour ce qui est des catégories, que l'histoire générale va faire déjà dans un premier temps, c'est de dire, voilà, on aborde l'histoire africaine sur un temps qui est, j'appellerais moi, un temps colocentrique. En gros, il y a le précolonial, il y a le colonial, et ensuite il y a le postcolonial. Donc ça veut dire qu'on aurait dans le précolonial des centaines de milliers d'années. Dans le colonial, on aurait quelques siècles ou un siècle, et puis on aurait le précolonial totalement. On voit bien que cette périodisation, cette façon de mettre en chronologie l'histoire africaine, ne raconte que l'histoire de l'Europe. Mais il y a d'autres, on voit aussi, par exemple, du point de vue spatial, que envisager l'histoire de l'Afrique comme étant essentiellement continentale, c'est effectivement une vision coloniale. Et pour sortir de ce paradigme, on va décontinentaliser l'histoire de l'Afrique en envisageant l'Afrique en rapport avec les diasporas, dans les circulations diaspora atlantique, diaspora océanienne, etc. Donc, à l'arrivée, la décolonisation de l'histoire, au-delà de la question de réfuter les essentialismes, au-delà de la question d'un assainissement scientifique et d'un assainissement terminologique, c'est fondamentalement une subversion et je dirais même une destruction créatrice des catégories fondamentales sur lesquelles se base l'écriture coloniale du monde et l'écriture hégémonique du monde. Je vous remercie puisque je suis contraint de le faire. Non, mais je pense quand même qu'avec tes 10 minutes, tu as dignement représenté la quatrième génération épistémologique et prolongé ton handicap. Je voudrais maintenant, last but not least, passer la parole à Seloi Boulbina. Seloi est philosophe. C'est Zé Belinga qui me l'a proposé et présenté. Et j'ai eu l'agréable surprise, non seulement de lire son texte, mais de découvrir son beau visage. Elle est une ancienne directrice de programme au Collège international de philosophie de Paris. Elle est actuellement chercheuse à l'Université de Diderot de Paris 7. Mais je voudrais aussi signaler que Seloi a enseigné au Brésil et en Chine. Grande philosophe et maître des concepts, Seloi, tu es donc invitée à nous dire rapidement, en 7 minutes, comment décoloniser les savoirs philosophiques, artistiques et littéraires, comment renverser les tendances hégémoniques par une équité, pour une équité et une intégration dans des perspectives plurielles. Oui, tout le monde a eu 7 minutes. Merci. Tout le monde en a pris 10. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Alors, j'irai très rapidement et droit au fait. Je voudrais dire que, en fait, je me méfie des illusions globalisantes parce que je pense qu'il faut d'abord distinguer, s'agissant de la décolonisation des savoirs, il faut distinguer les pays post-impériaux et les pays post-coloniaux. Les pays post-impériaux, les anciennes métropoles, les pays post-coloniaux, les pays qui étaient d'anciennes colonies. La deuxième chose, la deuxième distinction qui me paraît très importante, parce que je pense que la décolonisation des savoirs ne s'entend pas de la même façon dans chaque lieu, c'est que je pense aussi qu'il faut distinguer, d'une part, je le dis évidemment très grossièrement, très schématiquement, les pays, les ex-colonies
américaines et les ex-colonies africaines. Il y a un très grand fossé entre les deux, puisque les indépendances américaines, à partir de l'indépendance de Haïti en 1804, et sauf à l'exception donc de Haïti, ont bénéficié aux Européens et aux descendants d'Européens, et les indépendances africaines du XXe siècle ont bénéficié tout au contraire aux indigènes, à l'exception, vous le savez bien, de l'Afrique du Sud, qui est ici un cas particulier. Et j'ajoute quand même que l'Afrique est quand même le seul continent où la colonie de peuplement par excellence, l'Algérie, a vu tous les Européens partir donc, au moment de l'indépendance en 1962. Donc les contextes sont extrêmement différents. Du coup, néanmoins, si vous voulez, les orientations intellectuelles qui sont aussi très rapidement dites celles de l'Europe de l'Ouest, sont données par le Nord global. C'est affaire d'institutions, de notoriété, de relations, autrement dit, de capital. Je rappelle quand même que la constitution même, si vous voulez, de l'idée de savoir, elle s'est faite par la colonisation comme une capitalisation, et que peut-être il faut sortir de l'idée que le savoir procède de la capitalisation, en fait, de découvertes, explorations et autres aventures coloniales. Et donc aujourd'hui, le problème est que la plupart des problématiques, les manières de formuler les questions, etc., viennent très souvent des États-Unis et sont appliquées, je dirais, sans transition, alors qu'il faudrait s'interroger sur les transitions, à d'autres contextes, d'autres situations, d'autres cultures que celles dans lesquelles ils ont été élaborés. On ne peut pas dire, par exemple, on ne peut pas comparer le Sénégal et la population sénégalaise avec la population, par exemple, brésilienne, avec une minorité noire opprimée au Brésil, par exemple. On est dans des contextes très différents. Et le cas de la philosophie, par exemple, en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, est ici tout à fait paradigmatique, parce que ce sont les anciens modes, en réalité, qui prévalent. Et ce que Moudimbe a nommé bibliothèque postcoloniale n'est pas la bibliothèque de référence. C'est quand même un problème autant d'années après les indépendances. C'est pour ça, je pense que la désorientation, je l'entends tout à fait intensivement et intensément, la désorientation est indispensable. Elle consiste à brouiller les références qui ont été, mes références multiples, mais qui ont été léguées comme une boussole par le Nord global. Donc, la désorientation relève d'une interrogation sur la valeur, parce que qu'est-ce qui est valorisé et pourquoi, à l'heure où les universités, les revues, etc., sont classées, entre guillemets, où la concurrence apparaît comme le seul gage de qualité intellectuelle. Donc il faut au moins poser la question, tant les enjeux épistémologiques et politiques de cette question sont importants. D'autre part, c'est d'autant plus important que les entremondes postcoloniaux l'emportent aujourd'hui sur les mondes. Ça, c'est le grand changement qui s'est produit après les indépendances, et notamment après les indépendances africaines. Les colonies, on le sait, ont brouillé les mondes. On pourrait dire que comment aujourd'hui, à partir d'une acculturation quand même fantastique, extrêmement réussie, comment sortir de l'acculturation, sachant que cette acculturation est augmentée et pérennisée par l'usage des anciennes langues coloniales, le français, l'anglais, le portugais. Donc, je donnerai un exemple, c'est la restitution, bien sûr, des biens africains détenus par les musées européens occidentaux, qui sont le signe, tout de même, de peut-être d'un commencement d'égalisation des mondes, sur le plan symbolique, évidemment, puisqu'ils témoignent, côté européen, de l'acceptation ou du refus de l'égalité en matière culturelle. Et du côté africain, la chose est claire, la situation actuelle de spoliation culturelle absolue ne peut plus durer et les populations doivent pouvoir accéder donc aux chefs-d'œuvre que leurs ancêtres ont créés. Hommage aux anciens créateurs, c'est le titre d'un tableau de Chéri Samba. Donc là encore, la question de la valeur symbolique, artistique, historique, matérielle se trouve posée. Le litige, en d'autres termes, fait partie du processus d'égalisation. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, il faut inclure les arts et la littérature dans la perspective d'une décolonisation des savoirs, parce que la littérature a produit en fait ce que j'appellerais un renversement dans la position du sujet. C'est par la littérature, n'est-ce pas, que nous avons petit à petit réussi à nous décoloniser, pour partie évidemment,
ou à commencer à y réfléchir sur le plan académique. Depuis longtemps, j'ai mis l'accent sur les arts visuels et sur la musique. Je rappelle quand même le cas de la musique, qui est extrêmement instructif, parce qu'en Afrique, elle est indépendante depuis longtemps. Que serait du reste la musique dite occidentale sans la musique africaine? On se pose la question. C'est l'art postcolonial par excellence, justement parce qu'il est la conséquence de l'intensité de circulation, malheureusement forcée, on le sait, dans le passé par la déportation et l'esclavage, qui irrigue continuellement le nord des sons des suds. Donc, le cas des arts visuels est différent, mais je pense que cela vaut le coup de voir un petit peu comment travaillent un certain nombre d'artistes, toujours dans la perspective de la décolonisation, parce que c'est une façon, à mon sens, si vous voulez, d'oublier la colonialité et l'hégémonie, par une élaboration qui est une élaboration latérale, en fait, et une élaboration dont je dirais qu'elle est évidemment relativement à l'université, au savoir académique, une élaboration périphérique. Parce que je me permets ici, c'est un peu difficile, mais j'ose, de critiquer la culture historique. Ce n'est peut-être pas par la voie de la remémoration que l'on peut véritablement décoloniser les savoirs. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y ait pas de recherche historiographique à mener, mais l'historiographie n'est pas le fin mot de la compréhension des phénomènes. Donc, bien sûr, tout s'accélère. Alors, je pense que, si vous voulez, peut-être qu'il faut réfléchir sur, de façon certainement interstitielle, en tout cas pour commencer, à réfléchir sur la façon de défaire les faux plis qui sont hérités des empires coloniaux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on peut penser, si vous voulez, relativement à ces faux plis, la décolonisation comme une forme de désordre. Alors, à ces faux plis appartiennent le respect, je dirais, et surtout l'amour de l'institution, notamment universitaire, dont témoignent un grand nombre d'universitaires, forcément. Les positions institutionnelles, on le sait, ce sont des obstacles épistémologiques et qui empêchent bien souvent de penser le rapport au savoir lui-même, quand bien même, justement, ces institutions conditionnent le rapport au savoir. Donc, je pense qu'il faut réfléchir justement sur le grand, le petit, sur l'apparition de, je dirais, de royaumes, de tribus, de chefferies, etc., et de formes de gouvernement autoritaire, et particulièrement nationaux, bien sûr, dans cette perspective. Donc, pour terminer, je dirais que la fin des empires a promu un nouveau régime intellectuel, l'iségoria, c'est-à-dire l'égalité du droit de parole. Cela vaut évidemment pour les femmes, et femmes que beaucoup d'hommes n'écoutent pas, hein, ne viennent pas écouter, je le précise, j'en dirai un mot dans la discussion. Et les impératifs démocratiques, en effet, à mon sens, ne sont pas spéciaux. Ce sont des impératifs qui sont généraux et qui concernent bien entendu les savoirs. Ils valent autant dans le champ intellectuel que dans le domaine politique. Leur validité est intégrale. Donc, en fait, il faut interroger du coup les transferts de connaissances, la circulation des idées, et se demander ce que l'on a appris, ce que l'on apprend, ce qu'on peut apprendre d'autrui, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Je pense que ce décentrement serait une nouvelle révolution copernicienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Selwa. Merci, réellement. Je vais maintenant vers la fin de ce panel. Mais je voudrais vous demander la permission de saluer la présence de tous mes collègues Afrique de l'UNESCO ici à Dakar. À l'UNESCO Social Science, notre lien avec le CODESRIA n'est ni quelque chose de théorique, ni quelque chose d'artificiel. Avant de travailler à l'UNESCO, beaucoup d'entre nous étions déjà des membres de cette communauté. J'ai souvent un problème d'identité quand je suis dans les activités du CODESRIA,
parce que je ne sais pas de quel côté je suis quand je dis nous. Merci Yvonne d'avoir fait le voyage depuis Yaoundé. Merci Hugues d'avoir fait le voyage depuis Abuja. C'est mes collègues en charge des sciences sociales dans nos bureaux régionaux. Le troisième est Lamine Abdourahmane, qui a le grand défi de disposer de 7 minutes pour être le discutant de ce panel. Abdoul est aussi un membre de notre communauté. Il relevera le défi. Well, thank you very much, Mariama. Good evening, colleagues. It's obviously a very tall task to intervene on what is arguably been a brilliant panel. But I'm going to do my best to summarize in 7 minutes that you've given me what has come out of this excellent panel. I'm going to highlight two broad themes that in my view, cut across all the presentations, not necessarily in a particularly ranking order, and not going into the specific details, but in my brief presentation, in my brief intervention, I will occasionally reference a point or two that came out of the presentations. The first major theme that runs across all 5 presentations is what is clearly a collective call for epistemological diversity in the humanities, moving away from the hegemonic dominance that has historically been associated with Eurocentric worldview in terms of conceptualization of ideas. In doing so, however, we must exercise caution and move away from what Sarif Hanafi refers to as a binary approach in analyzing the problem. In a similar manner, Ibrahim Assal notes that while, quote, the struggle for epistemological autonomy is part and parcel of the struggle for emancipation, the critique of the colonial library has itself in many instances been done with concepts that are critical, but in many respects, Western-centric. In other words, both Sal and Hanafi argue for a guarded approach so as not to end up undermining what is clearly a legitimate undertaking by scholars from the global south, albeit with nuances. For Sal, the legitimacy, and for that matter, authenticity of African critique of Western epistemologies in the humanities must be framed within the context of African-centered concepts and paradigms. For Hanafi, on the other hand, the binary approach of colonizer-colonized discourses by scholars of post-colonial studies, at least in the Arab world, can be limiting, and hence the need for caution. Of course, to be clear, the debate around epistemological diversity is not particularly a new one in the humanities and social sciences for that matter. What is perhaps different today, however, is the time and context in which these analyses are being presented. The current state of the world as we know it today is one that is in search of conceptual clarity to better understand contemporary events. The search for epistemological autonomy of freedom and decolonization of concepts, paradigms, and methodologies is an age-old debate globally that permeates key disciplines in the humanities and social sciences, including, of course, but not limited to sociology, history, literary studies, and has been eloquently articulated here by all presenters. One only needs to go back to the 1950s and 60s to revisit the work of Edward Said, Frantz Fanon, Gungi Wathiongo, to name a few, to realize that for ages, the struggle for emancipation by colonized societies was not only fought with blood, sweat, and tears, but one that also involved significant intellectual energies dedicated to shaping the ideas of time. Carol Boyce Davis recounts the debates in African literary studies, going back to the debates
referencing Boydoun Diéifo's concept of arrested decentralization, I mean decolonization rather, and Ngugi Wa Thiong'o's thesis on decolonizing the mind, reminding us that while the formal processes of colonization might have ended with the independence of European colonies in Africa and elsewhere, including the Caribbean, Asia, and so forth, the struggle for complete emancipation had not been won, as the battle of ideas, concepts, and paradigms had just shifted to another side, namely the academy. That leads to the second point, the second theme explored in the presentations, and which in many respects is directly linked to the first one, namely the state of humanity's knowledge production in various geographical regions of the world and the extent to which the respective sites and centers of knowledge production, in particular institutions of higher education, higher learning rather, are producing knowledge informed by African-centered and other regional knowledge systems and paradigms. Of course, it came out more clearly in some of the presentations than others, but I think suffice it to say that the role of the university was put under the microscope in terms of its own decolonization processes. The central question, or rather critique here, is to what extent have universities, particularly in Africa, been transformed or decolonized from what they originally were meant to be? Boyce Davis's notes that African universities were, and I quote, originally organized as departments of European universities overseas and began as colonial projects to create colonial elites. And as a result, their studies replicated the identical structures of European universities, including their curricula, library, literature, and faculty. She goes on to recount the struggle to Africanize literary studies at African universities, going back to the debate of Ngugi Wa Thiong'o calling for the abolition of the Department of English at University of Nairobi and replacing it with the Department of African Studies, African Literature. On the Africanization of sites of knowledge production, it is worth recalling the OAU, now AU-inspired UNESCO General History of Africa project, which is now in its pedagogical phase, with an African Union Heads of State decision requesting UNESCO to support African member states develop common pedagogical content from the 8 encyclopedic volumes that have been produced in the first phase, and have them incorporated in the school curricula across the continent. And that indeed was alluded to by Marshall Zibelinga. The significance of these steps, though not lost on us, because of their direct linkage to the Greater Pan-Africa Project, it is clear that more needs to be done to decolonize the academy in Africa and ultimately to win the struggle for epistemological autonomy in the humanities and social sciences. Taken together, therefore, one key message comes through from all the presentations this evening, and which is to call for transformation of knowledge production and generation spaces in humanities and social sciences more broadly. All panelists are very clear in their call for an egalitarian system in which the humanities take significant account of geographical and regional diversities that come with the production of knowledge. Finally, Madam Chair, if you indulge me, before I yield the floor, allow me to say a word or two on globalization and focus specifically on the transformation that is happening today in international institutions, in particular the United Nations. 3 years ago in 2015, the UN General Assembly adopted what is now known as the 2030 Agenda for Sustainable Development, accompanied by 17 Sustainable Development Goals. 3 years before that, in 2013, the African Union adopted Agenda 2063, a 50-year vision for Africa with 7 aspirations designed to culminate in a, quote, peaceful and prosperous Africa that is dependent on its people and itself. The adoption of these agendas, one global and the other regional,
have been followed by institutional reforms at the level of the United Nations that promises to significantly transform the operations of this global body that has served humanity for the past 7 decades. As is now abundantly clear, the current crisis of globalization has exacerbated extreme inequalities within and among states, not to mention the outright divisions and polarization among the peoples of the world, something we haven't seen in a very long time. In all of these ongoing debates around transformation of international institutions, and one would say add attack on international institutions, it seems to me that the role and place of centers of knowledge production in the social and sciences and humanities, particularly in the global south, but more especially in Africa, is rather muted. This is a cause for concern, as there are many challenges we must contend with, ranging from migration to climate change to the crisis of youth development in Africa, all of which require critical social science and humanities knowledge in Africa, if indeed the continent is to realize the ideals and aspirations outlined in both agendas 2063 zero and minute. 2030. Thank you very much for your patience. Thank you. Merci beaucoup, Lamine, d'avoir usé 10 minutes. Nous avons commencé le panel à 17h. Il est maintenant 18h20. Nous pouvons peut-être nous donner 30 minutes pour prendre des questions en vous demandant d'être très bref. Oui, Colo, là-bas. Là, Sambobouri, là-bas, là, bon, oui, je commence par lui. Donc, on va commencer par Kolo Fouet. Merci, Marima, de me passer la parole. Ma question s'adresse en fait à tous les panélistes. Alors, je voudrais savoir ce qui fait l'actualité, mais également la pertinence de la problématique postcoloniale et même aussi des coloniales. Et je le dis, bien entendu, comparé à une problématique plus ancienne, devenue aujourd'hui caduque, la problématique du néocolonialisme, de l'impérialisme, qui insistait sur la nécessité de surmonter la contradiction entre le Nord et le Sud, ce qui justifiait d'ailleurs une certaine approche sur le plan épistémologique. Bon, alors, qu'est-ce qui fait la pertinence de ce nouveau concept qui, me semble-t-il, n'a jamais cessé d'être d'inspiration postmoderne, avec tout ce que cela implique en termes de méthodologie, c'est-à-dire le constructivisme social en particulier, en termes de gnosiologie, de théorie de la connaissance, qui, ce qui suppose, de ce point de vue d'ailleurs, le relativisme, en termes de conception même de l'être, donc d'ontologie. Alors je pense à ces nouvelles conceptions qui mettent l'accent sur la fluidité de l'être, sur sa non-consistance, mais surtout sur le nomadisme identitaire, sur l'hybridité, la créolité. Voilà ma question. On me demande de terminer à 18h30. Donc je vous demande, je demande votre coopération. La dame en noir, mais je vais sauter son voisin. Je prendrai Sambobouri, Saïd. Okay.
Thank you. This is a question for Mr. Saul. How do we deal with the problem of language and translation when we talk about epistemic autonomy? Thank you. Merci. Son voisin, une minute. Merci beaucoup pour la parole. Une question, mais en deux temps. Je parle du problème de TINA, There is no alternative. C'est un discours qu'on entendait dans les années 80-90. Deuxième petite observation, je crois dans Foucault. Foucault parlant de la recherche d'échapper à Hegel dans la philosophie occidentale, il parlait qu'il nous attend tout en étant présent ailleurs. Alors comment on peut résoudre ce problème-là? Merci. Samboubouri, après toi, après Saïd, et puis, Slahedine, et puis on arrête. Je ne serai pas venu là. Thank you very much. With Adeboye Olukoshi and Paul Tiambezeles, I would say that the stake is about globalizing African scholarship while Africanizing global scholarship. And in that, I think that we need to go beyond traditional entrenched academic territoriality and look for transdisciplinarity. And when we talk about transdisciplinarity, I think that we must also look at our feet beyond 2002, which some of us consider in terms of chronology as the first step, you know, with the manifest of transdisciplinarity by Basarab Nicolescu. Because way beyond that, somebody like Sheikh Anta Diop was not speaking about transdisciplinarity, he was practicing transdisciplinarity in order to help rewrite African history. One last point, I think that we have to focus on historiography, because today, in the area of historiography, there is a revisionist trend that is financed with millions of euros and dollars and et cetera, in order to try to reject the fundamental responsibility of this crime against humanity in a very insidious way, you know, on the back of African people. I don't say that Africans don't have responsibility, but that is not the main responsibility. Tout à fait en haut. Désolé. Thank you very much. My observations are generally go to the whole panel. The level of globalization we are in today is what they have called the fourth industrial revolution. To what extent have we, the social science community in Africa, addressed ourselves to the challenges and opportunities presented by this fourth industrial revolution for the African continent and economies? And soon the fifth industrial revolution. Finally, in terms of knowledge application, how relevant, how applicable would a non-Western, non-Eurocentric, counter-hegemonic conception of globalization be? How applicable would it be in solving some of the great challenges that we have in Africa? Thanks. Okay, thank you very much. Okay. How do the panelists think that we can do the decolonization of mind and of knowledge in concrete terms? What are we doing concretely to decolonize? Et pour la dame qui a parlé rapidement de la restitution des objets volés, quelle est la motivation profonde de Macron qui subitement se lève un jour et dit qu'il faut renvoyer les objets. Et il est seul, parce que les Allemands ne sont pas avec lui, les Italiens non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Merci.
Madame la Présidente, Slahdi Benfraj, je suis de l'Université de Tunis. Donc, ma question s'adresse à tous les panélistes, mais particulièrement au professeur Salwa et au professeur Hanafi. À votre avis, la décolonisation des sciences sociales africaines commence-t-elle par la libération des chercheurs africains eux-mêmes des anciens réflexes épistémologiques, dont particulièrement le sentiment de victimisation, comme le suggèrent certains chercheurs, je ne veux pas citer de nom, et la condamnation de certaines disciplines, comme l'anthropologie, étiquetée encore, peut-être à tort, comme science qui a servi le colonialisme et ayant une lourde histoire. Et quel rôle peut jouer l'AIS, par exemple, dans le cadre d'aider ces sciences à s'affranchir de ce statut de science coupable dont elles souffrent encore? Merci. Merci beaucoup. Je faisais le tour des panélistes pour demander ceux qui ne veulent pas parler. Bayo, tu veux parler? Non, d'accord. Donc, on va... Tu voudrais commencer? D'accord. Donc, c'est loi. C'était à propos de la transformation, enfin, ce qu'il me semble être la transformation, comment on passe, si vous voulez, d'analyse en termes de néocolonialisme et d'impérialisme à une analyse en termes de décolonisation. D'abord, je pense que la question de la décolonisation, étant donné qu'elle avait été présentée comme une période historique qui précédait les indépendances, il y a eu une espèce de... Je ne sais pas comment dire, il y a eu une espèce de verrouillage, en fait, de la question de la décolonisation, du fait même des indépendances. C'est-à-dire, quelle était la position des indépendances, du fait qu'elles étaient une victoire, ça a produit des effets, et donc ça a produit notamment, et bien sûr, des effets dans les savoirs, dans lesquels il s'agissait, bon, à mon sens, de s'approprier des savoirs, dont la plupart d'entre nous ici, enfin, si ce n'est pas nous personnellement, je pense à nos ancêtres, étaient exclus. Ces savoirs occidentaux auxquels seulement quelques évolués dans la masse des arriérés, etc. Donc, il y a une démocratisation des savoirs en Afrique qui est quand même très formidable. Et donc du coup, les problématiques changent, de mon point de vue. Les problématiques changent puisque, si on peut dire grossièrement, la phase d'appropriation étant été effectuée, maintenant, on voit bien que cette phase d'appropriation, c'est aussi encore une aliénation, en réalité, sur le plan, effectivement, épistémologique et sur les plans, je ne pourrais pas évidemment répondre, sur les plans que vous avez, à très juste titre, notés. Oui, parce que j'avais deux minutes pour Charlie. I am not very comfortable with epistemic autonomy. I think I'm more going toward bridging, building bridges between different knowledge and epistemes. I am in favor of pluralism. It means that anything we are studying, youth, sexuality, poverty, etc., it has some international dimension and cultural, sometimes religious, local, national, regional perspectives. So we should always play with the different scales, absolutely to be aware of what are the underpinning epistemic issues. But I feel that the tone I hear it here is not really helpful. It's reductionist. We should not replace Eurocentrism with any other centrism. We need to see knowledge production as in the same time a very internationalized project and a very local project in the same time. Just to reply to my colleague who talked about the millions of dollars sent to change the historiography, I come from a region where you have a meta-narrative come from authoritarian regimes. I challenge you to find any
narrative in country like Syria, Libya, Jordan, Gulf countries, where you have one narrative. So really, I see my problems mainly how to challenge the powers, the hegemonic powers. The hegemonic powers don't come only from the West. Yes, it comes from the West, but it comes from our own society. You. And really, we should always challenge all these levels. Thank you. Thank you. Let us continue this discussion. If I can respond to the question about why is post-colonial problematic? Because there's still several existing colonies, the US and Puerto Rico. I'm sure you saw during the last hurricane what happened to Puerto Rico and some of the other Virgin Islands. And the British also still have continuing colonies throughout the Caribbean. Go to Turks and Caicos, you will see the Queen there. Her photograph as you land and so on. So in spite of the fact that some people had the rupture or the break, you still have many places which still have existing colonies taking place. And then if you look internal, the gendered issues are really critical as well. There's a gendered colonialism that one can talk about, the way that women's bodies are treated, colonized, often used, and so on. And definitely the question of internal nations, like in the United States, the way that black people are treated, the differential ways in which they are awarded rights of voting, all of the normal facilities that go, or privileges that go with being a citizen of a country. So we can really look at that monolithic construction of a post-colonial as really problematic. And Latin America, we can make similar kinds of statements and arguments. And I think on the question of being trapped, I think it can only happen in Africa, and I say this having studied a range of other locations. Why? Because whatever is coming out of Europe is totally bankrupt at this point, quite clearly. If they can only produce Brexit and Trumpism at this point in time in 2018, essentially, you know that these are not systems you want to follow at all. So I think one has to really look at the strength of African countries and what is possible at this point in time and move forward from there. Thank you. Ibrahim. Yes, just two things. One is the question of languages. I mean, languages have been suppressed, they've been denigrated, they've been African religions, languages and knowledges and everything. I mean, there's been too many linguicide and the epistemicide and all these things go together, right? So it's been, languages have been the casualties actually of the colonial enterprise. And so taking languages seriously is very important. It's an important part of the whole emancipatory process. The second thing is, I don't think it's a question of saying we respond by, relapsing back into some kind of nativistic or parochial. What the colonial scholars are saying is that all knowledge is situated in some sense, right? It's important for a woman to say, I'm a black woman, I live in Africa, and I'm from a poor community. It makes sense the way they engage in research, the kind of issues they take up when they do research. It's completely different from a white woman in North America from a wealthy background when they do research. The same thing could be said about other things. So that is why they're talking about turning Descartes on his head, in a sense. Descartes says, I am... What about Universal Declaration of Human Rights? No, well, there's a whole debate about that one. Well, just finish on this one. That's a sentence. I'm finishing on this one. Descartes says, I think, therefore I am. The colonial scholars say, look, I think from where I live, from where I am, and from where I do. In other words, if I am living in Senegal, and I'm working and acting and deploying myself in Senegal, it sort of impacts and has an impact on the way I think and the way I do a lot of things. So in a sense, it also relates to this point about globalizing African knowledge or Africanizing global knowledge. I think that makes sense. In a sense, now the spaces are so
also, in, you know, connected. A lot of us are working in North America or Europe, and then they are participating in African communities. They write here, they produce here, they publish here, they publish there. They're part of the debates here, they're part of the debates there. So interconnections are many. But it doesn't mean that there are not specific issues, you know, in the debates within Africa. And I take just one example. Structural adjustment came out in Jomo's presentation very well. Structural adjustment was debated in the African context in a way maybe that it was debated in no other place. Why? Because it was an issue when other people had thought they had moved on, it wasn't relevant any longer. You know, so it is important to recognize that there are specific issues, specific debates, and the position from which we approach the issues makes a difference, basically. Merci. Peut-être un point global pour être un peu interactif avec mes collègues, très rapidement. Donc, il a été invoqué, et je pense que ça fait partie des points extrêmement importants que les Africains doivent accepter d'aborder de front. Les Africains doivent refuser l'idée qu'ils sont des enfants dans la connaissance, que la fin de l'histoire est écrite, et qu'ils ne peuvent s'intéresser qu'à des questions mineures. Là, on a parlé de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été écrite et qui a été signée en 1948. La plupart des pays africains étaient encore des colonies. Je vous conseille à tous de lire l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article reconnaît implicitement la colonisation et reconnaît implicitement qu'il existe des territoires qui sont sous domination. Or, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne contredit pas, ne cite même pas la colonisation, alors qu'on est en pleine période de crimes coloniaux. Donc ce n'est pas un objet magique, ce n'est pas un fétiche, c'est un objet que les Africains doivent aussi décoloniser comme tous les autres. Il n'y a aucun problème avec ça, et nous avons la charte du Mandé, nous avons des textes égyptiens, nous avons tout un ensemble de textes sur lesquels nous pouvons nous fonder, non pas pour rejeter tout ce que les autres ont fait, mais pour produire ce que j'appelle l'épistémogonie, c'est-à-dire un ensemble de savoirs qui sont les savoirs du monde, qui sont les nôtres, qui sont ceux des autres, mais que nous sélectionnons en fonction de nos propres vouloirs. Ça, c'est mon premier postulat. Le deuxième et dernier, je voulais répondre à deux ou trois personnes. Je réponds à deux. Alors, comment faire ça? Comment faire le dernier en un? En une minute. C'était sur l'actualité de la question. Alors j'ai dit, je suis d'accord pour dire que la question de la globalisation implique toutes les questions d'interdisciplinarité, etc., etc. Je suis absolument d'accord. Je suis d'accord aussi pour dire que dans la décolonisation, il y a l'attitude même de recherche des Africains. Il y a aussi la question problématique de certaines disciplines qui sont fabriquées dans le contexte colonial et qui produisent des énoncés coloniaux, comme effectivement l'anthropologie qui s'intéresse aux sociétés lointaines. Et d'ailleurs, si vous vous interrogez un terme, deux termes, le terme humanitas et le terme anthropos, vous comprendrez que quand les savoirs savants européens parlent de l'être humain, quand il s'agit des Européens, on parle de humanitas, quand il s'agit des autres, on parle de anthropos. Donc effectivement, il y a un problème avec les disciplines, certaines disciplines, c'est évident. Pour l'actualité de la question, c'est comme demandait le professeur Colofoué, je pense qu'il y a une vraie justification, mais que c'est une justification relative. Par quoi se justifie la question à la décolonisation de l'histoire et des sciences humaines? D'abord parce que c'est une question endogène africaine. Ce n'est pas une question qui est née avec Bandung, comme le dit par exemple Walter Mignolo, c'est sa position peut-être de Sud-Américain. Mais pour les Africains, les premiers à l'avoir dit sont des Africains qui étaient en Afrique. Blyden parle déjà de décoloniser l'image du noir. Kimpavita parle déjà de refuser la théologie chrétienne enseignée au Congo, on est encore au XVIIe siècle. Donc c'est une tradition déjà africaine de contester ces savoirs extérieurs. L'autre actualité, c'est qu'il y a tout un mouvement épistémologique de critique de l'eurocentrisme. Pourquoi? Parce qu'il a des limites. Aujourd'hui, l'eurocentrisme n'a pas permis aux sociétés contemporaines de lutter fondamentalement contre les principales guerres mondiales, contre l'armement, contre les problèmes d'environnement, etc. Toutes ces pensées-là n'ont pas réussi à résoudre ces problèmes. Et pour en revenir à celui qui demandait, donc en termes concrets, je termine, termes concrets, comment on décolonise? Mais voilà des questions sur lesquelles la pensée et les pensées africaines avaient beaucoup d'avance sur les sociétés contemporaines. Je reprends seulement la charte du Mandé au XIIIe siècle. La charte du Mandé parle de quelqu'un qui garde les forêts.
Reprenez les cosmogonies d'Ogon, il y a des gens qui gardent les forêts. Ça veut dire que la pensée environnementale et écologique ancienne, elle est ancrée chez les Africains. Elle n'est pas essentialiste, mais elle est présente chez les Africains. Donc, il faut recourir aussi à ces savoirs dans le contexte contemporain pour déployer les nouvelles politiques de prospérité et de bien vivre et non pas les politiques dites de développement qui sont systémiquement Merci. Des politiques de sous-développement. Merci, Zé. J'ai appris au Côte d'Ivoire qu'une communauté de sachants ne peut pas être une communauté d'unanimistes, n'est-ce pas, Olu Kofi? Je crois que ce débat, il méritait d'être mené. Je crois que ce débat, il mérite d'être continué. Je pense que, dans une certaine mesure, toutes les positions sont éligibles ici, y compris la contestation du plan de Lagos par le rapport Berg. Je dirais simplement que la question d'énoncer son propre lieu d'énonciation aujourd'hui, elle n'est pas une question superfétatoire, elle est une condition d'objectivité de la production de connaissances en sciences sociales. Je ne postule pas une neutralité axiologique à historique. Je suis sociologue et je me positionne dans le champ de la sociologie comme une femme, comme une noire, comme une africaine, comme une personne appartenant à l'Académie Tshombe, du nom de mon père Satshombe, que je considère comme le lieu symbolique de la consignation des sagesses populaires du Baol. Pour comprendre nos réalités et transformer nos sociétés, il nous faut aussi nous doter des moyens qui nous permettent de rendre compte de ces réalités. Et c'est une question simplement salubre. La question de la reconnaissance, elle commence d'abord par la question de la connaissance et la connaissance par la connaissance de soi-même. J'appelle simplement en conclusion notre communauté à faire connaître ce que nous produisons. J'appelle cela le patriotisme épistémologique. Elle l'a dit, la bibliothèque coloniale n'est pas encore pour nous la bibliothèque de référence parce que post-coloniale, parce que comme elle dit, à la place de Moudimbe, beaucoup d'entre nous préfèrent encore Husserl. Je pense que dans un monde de la concurrence, il est important de reconnaître la valeur de ce que nous-mêmes nous produisons sur nos propres communautés. Merci à tous. Je vous demande de vous applaudir parce que vous avez posé les questions pertinentes qui ont permis aux panélistes de révéler ce qu'ils ont de mieux. Merci les panélistes. Esteemed colleague, just another minute before you depart. Thank you very much, Dr. Marema Touré, for this interesting panel. Thank you very much. I have a few announcements to make. Let me start with the useful ones. There are a few of you who still have not registered yet. Please try to register tomorrow. There is a Codestria Secretariat office just at the corner here. Many of you registered already today. Please come tomorrow and you can register. For those of you who stay at other hotels, there are buses waiting outside to take you to your hotels. There are a few colleagues whose luggages did not arrive. One of them is Rashid Ismail. The other is Fonikon Willy Didier. Your luggage has arrived. Please go to the Codestria office. As you get out, you turn right. You go through the big door, and it's the first office on your right. Now, thank you very much for an interesting day. We have a lot to look forward to tomorrow. There are two keynote addresses, as well as a homage to our late colleague, Professor Aminata Jiao Sise. One of the things that we did was to compile a list of morally degrading night spots that you should avoid while you are in Dakar. But since you people are scholars, we decided not to share the list with you, knowing many of you will go to those places after the warning. So enjoy Dakar, and please try to be here at 9 o'clock. Thank you very much. And tomorrow, we will be in room BC12.
which is in the same hotel here. When you get here, you'll be directed to the room. Thank you.